électeurs seront au bureau de vote indiqué sur la liste électorale. L'électeur est identifié à l'aide de sa carte d'électeur ou d'un récépissé d'inscription. Son index ne doit pas comporter d'encre indélébile. Le premier assesseur vérifie son nom sur le fichier électoral et le fait émarger par l'électeur. L'électeur reçoit ses bulletins de vote. L'électeur va dans l'isoloir et choisit le bulletin de vote correspondant au candidat de son choix. Et il plie le bulletin de vote pour dissimuler son choix. L'électeur dépose le bulletin de vote dans l'urne sous la surveillance du président du bureau de vote. Après avoir déposé son bulletin dans l'urne, l'électeur trempe son index gauche dans l'encre indélébile. Le second assesseur remet la carte d'électeur ou le récépissé cacheté à l'électeur qui doit ensuite quitter le bureau de vote.